Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie. Nous parlons de grands projets structurants en matière agricole. Alors le secteur agricole connaît une croissance économique plus importante que d'autres. Cette croissance économique, c'est l'ensemble de l'activité agricole à Mont-Aval, à savoir distribuer des terres, mettre en valeur, procurer des substances et sous-produits et équipements, produire, cultiver, distribuer, vendre, transformer. Cela nécessite des matières premières, des équipements, également des salaires, des qualifications, de la recherche. Toute cette dynamique économique implique des acteurs, des personnes, des savoir-faire, des financements qui a pour finalité de satisfaire la demande nationale, une demande constituée de simples consommateurs, mais aussi de transformateurs parmi les industries et industriels algériens. Tout ceci pour dire que le secteur agricole est un domaine de très grande importance. L'alimentation est une question de sécurité ou de souveraineté nationale. L'État a choisi de mettre au point des projets structurants, grands projets pour produire les aliments dont la facture est lourde, le lait, les céréales par exemple. Quel impact de ces grands projets sur la sécurité alimentaire et quel rôle jouent les collectivités locales pour à la fois sécuriser les populations, les savoir-faire locaux et en même temps pour encadrer, faciliter ces investissements. Pour en parler, deux invités au studio, Madame Assaou Souad, directrice générale de l'investissement et du foncier agricole, Monsieur Majid Saada, directeur général de l'aménagement du territoire et attractivité également. Merci pour votre présence dans cette émission. Nous allons planter le décor pour présenter le secteur agricole dans ses grands indicateurs. Première question à Madame Assous Souad, directrice générale de l'investissement et du foncier agricole. Quelle est aujourd'hui la participation du secteur agricole dans la croissance nationale? Merci, Madame. Bonjour tout le monde, bonjour à nos auditeurs. Donc, la part du secteur de l'agriculture, elle est classée le deuxième secteur en matière de contribution à l'économie nationale après le secteur des hydrocarbures. Quel est le taux? À 18%. 18% comme annoncé par le président dernièrement. Alors, 18%, comment est-ce qu'on est arrivé à ces 18%? Quels sont les grands ingrédients, hein, les différents acteurs, les différentes productions qui ont amené à ce taux de croissance et à classer le secteur de l'agriculture comme deuxième secteur à croissance après les hydrocarbures? Très bien. Vous savez très bien, vous, madame, qu'on parle et on est en train de parler de sécurité alimentaire. Quand on parle de sécurité alimentaire, on parle de la production nationale. En matière des cultures stratégiques, les cultures stratégiques sont les blés, bien sûr, le lait, les viandes rouges. Donc c'est tout ça qui nous ramène à travailler et pour arriver à être le deuxième secteur. Quand on parle de ce qu'on offre, nous, le secteur de l'agriculture, en plus des terres agricoles qui sont attribuées aux investisseurs, et même ce que nous avons comme terre privée pour l'agriculture, c'est tout ça qui nous ramène à parler d'une deuxième position après les hydrocarbures. Les agriculteurs, que ce soit les petits agriculteurs ou les grands investisseurs, on est en train de travailler pour mettre à la disposition de la population des produits d'une qualité. Justement, qu'est-ce qui a permis à atteindre cette deuxième position? Quels sont les grands indicateurs de l'agriculture qui ont abouti à ces 18% de croissance? Qui a contribué à cette croissance? Ce qui a contribué à cette croissance, si on parle des blés, jusqu'à maintenant je vais vous donner une information, si on parle de la consommation des blés, jusqu'à maintenant nous produisons à 100% la semence des blés. Jusqu'à maintenant, et heureusement, nous ne nous importons pas la semence. Donc la semence des blés s'est produite sur le territoire national et on est en train de contribuer à travers cette production qu'on fait, on lance les campagnes de la... C'est-à-dire nous importons du blé. Du blé, mais la semence non.
la semence, on est en train, là, pour vous parler de la production nationale. Parce que là, on importe des blés, mais par rapport à la production, je préfère commencer par la semence. Parce que si vous n'avez pas la semence, il n'y a pas la production. Pour ça, j'ai dit, parce que vous avez, votre question, comment on est arrivé à contribuer dans manière ? Bien sûr. Quels sont les différents acteurs ? Quelle est la production qui a contribué à cette croissance ? C'est ça. Là, je vous parle de la disponibilité de la semence. Ça, c'est important comme point. Là, l'Algérie, on n'importe pas la semence. On la produit au niveau sur le territoire national. Ça, c'est une sécurité pour nous. Quand on parle qu'on produit le blé à partir de cette semence aujourd'hui, quelle est la part de la production par rapport à l'importation? Pratiquement à 50%. Les meilleures années, on est arrivé à plus de 50 millions de quintaux. Nos besoins sont arrivés à 90 millions de quintaux. Ça, c'est très important. Quand nous avons des bonnes années agricoles, on est arrivé à produire 50 millions de quintaux. Donc, ça fait 5 millions de tonnes. Ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai commencé le début par la semence. La semence, c'est très important. Est-ce que la semence que dont vous parlez pour le blé, elle est importée ou elle est... Là, les productions, c'est une production nationale. C'est une production nationale à 100%. Ça fait très très longtemps que nous n'avons pas, et alhamdoulilah, heureusement. Là, c'est une sécurité La semence, c'est une propriété nationale. Nationale. Ça, c'est une sécurité pour nous. C'est là qu'on parle de souveraineté, en fait. Ben oui, ça c'est important. Là, votre question par rapport à la contribution du secteur de l'agriculture à l'économie. Ensuite, vous pouvez développer quelques indicateurs. Oui, bien sûr. Anna, les blés, Anna, après, par la suite, la production, tout ce qui est production végétale. Mmh. Bien sûr, allez-y, avec des indicateurs chiffrés, hein, si possible. Ah oui. Anna, par la suite, la production végétale, la production du lait, malgré la collecte, notre projet, ce que nous avons signé hier, c'est un accord cadre pour la production du lait en poudre, mais nous avons la collecte. Nous allons y arriver. Ça va prendre une bonne partie de l'émission, mais au moins que l'on puisse, à l'auditeur, à ceux qui nous écoutent, de comprendre les grands indicateurs et les défis du secteur agricole. La deuxième question s'adresse à vous, c'est vous qui êtes dans le secteur de l'agriculture, mais monsieur Saada aura également à réagir sur l'implication des autorités locales, hein, du développement local et de l'aménagement du territoire en matière agricole. La seconde question, encore pour la compréhension générale, avoir une vue d'ensemble, une cartographie. Quelle est aujourd'hui la dépendance de l'Algérie à l'importation en matière agricole ? Pour faire la différence, c'est pas l'importation. Est-ce que l'importation alimentaire et agricole est différente ? Il y a pareil, on dit alimentation. Maintenant, nous avons deux produits qui pèsent lourd au trésor public. C'est les céréales et la poudre du lait. Ça, c'est les deux produits phares que nous importons aujourd'hui et qui pèsent très lourd au trésor public. Combien ça pourrait avoisiner l'importation annuelle ? En matière... poudre de lait, comme vous dites, et les céréales. Une moyenne, un indicateur. On est dans la transparence et la communication gouvernementale. Bon, par rapport aux chiffres, j'ai pas un chiffre exact, mais les deux produits phares, c'est les blés, donc les céréales. Une moyenne, une fourchette. Ah, 50%. Qu'est-ce qui est de 50%? 50% par rapport à la production nationale. On importe la moitié La moitié. D'accord. Donc l'autre moitié, elle est produite. Ah bah oui, bien sûr. De lait à partir de la culture, Quand on parle du lait, on ne parle pas, parce que l'Algérie, on ne produit pas la poudre du lait. C'est la collecte du lait. C'est la collecte du lait. Donc là, nous avons une bonne partie, pratiquement 1,7 milliard de litres annuellement, que nous produisons, qu'on le met à la disposition de la population. Donc on dit que la facture, elle est lourde. La facture est assez lourde, alimentaire et agricole. Oui. Assez lourde, et elle est composée essentiellement par le lait, la poudre de lait et les céréales. C'est pour cela que le secteur de l'agriculture, sa stratégie, c'est de diminuer la facture des importations. Et donc de choisir des produits stratégiques. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on entend par produits stratégiques et pourquoi le choix s'est posé sur ces produits que vous allez nous citer ?
qui veut dire que ce choix se porte sur des produits de large consommation et d'en dépend l'importation. Ouais. Lesquels ? Les produits stratégiques, nous avons bien sûr les céréales, les cultures oléagineuses, les betteraves sucrières. Quand on parle des cultures oléagineuses, c'est ce qui est les huiles et végétales. Et la betterave sucrière, donc c'est le sucre. Le colza, les cultures oléagineuses, donc nous avons le colza et le tournesol, le maïs, les fourrages. Donc c'est tout ça qui sont des cultures, sont classées comme cultures stratégiques. Donc vous dites que cette importation, c'est à la fois l'alimentation de bétail, c'est le lait cheptel, donc l'alimentation animale qui est importée en grande quantité, et l'alimentation humaine. C'est pour cela qu'il y a un choix qui a été fait. Est-ce que c'est les régions sahariennes qui sont principalement concernées par cette nouvelle cette production ? Nous travaillons sur l'amélioration de l'investissement dans le sud. Nous avons des disponibilités, des potentialités dans le sud et nous travaillons pour attribuer des terres agricoles spécialement pour ces cultures stratégiques. Quand on parle de l'attribution et de, par rapport aux cultures stratégiques, donc on parle de, d'une superficie foncière très importante. Donc quand on parle de cultures stratégiques, on travaille sur plus de 10 000 hectares pour le projet. Ces produits que vous citez, agricoles, qui ont besoin d'être développés, le potentiel pour les produire se trouve dans les régions sahariennes obligatoirement ou pas ? À quoi obéit le choix des régions sahariennes ? Parce qu'il y a du potentiel, parce qu'elles offrent toutes les caractéristiques pour produire ou pour d'autres raisons ? Bien sûr, nous avons toutes les potentialités dans le sud algérien pour produire, pour mettre en place des investissements et mettre à la disposition des productions agricoles. Je reviens agricoles. Vers vous. Je reviens sur cette question. Je donne la parole à monsieur Saada Majid, avant d'interpeller notre autre invité au téléphone, monsieur Omar Rekash, directeur général de l'API, l'agence algérienne de promotion des investissements. Monsieur Majid Saada, directeur général de l'aménagement du territoire et l'attractivité du territoire, je vous interpelle sur cette dernière question. Quelle est l'implication, le rôle, je n'ai pas trouvé d'autre synonyme, des collectivités locales pour dire, dans le cadre du schéma directeur de l'aménagement du territoire, quelle information vous détenez au profit du secteur de l'agriculture, on reste dans ce secteur, pour dire oui, nous connaissons notre territoire, nous savons où vous pouvez aller implanter les investissements structurants, des investissements qui ont forcément des impacts sociaux, des impacts sur le système rural agricole, les impacts sur environnementaux. Quelle est votre implication pour des projets agricoles ? Quel est votre mot à dire dans le cadre de la réglementation qui régit l'aménagement du territoire ? Ma question est longue. J'espère que vous avez compris le contenu. Merci, merci pour la question et merci pour l'invitation. Mais avant de répondre directement à cette question, je voudrais donner quelques chiffres qui sont très importants par rapport à l'état du territoire. Vous savez, l'Algérie s'est dotée du schéma national d'aménagement du territoire depuis 2010. C'est la loi 1002 du 29 juin 2010. Ce schéma, c'est une stratégie globale d'aménagement du territoire. Il est bâti autour de quatre lignes directrices que sont la durabilité de la ressource, en premier lieu, le rééquilibrage du territoire, je vais dire pourquoi ce rééquilibrage, l'attractivité et la compétitivité du territoire, et bien sûr, l'équité territoriale qui est liée à l'équité sociale. Pourquoi le rééquilibrage ? Je vais vous dire que 63% de la population algérienne vit sur 4% du territoire. Vous voyez un petit peu ce problème de littoralisation de la population et des activités ? Donc, l'essentiel de cette stratégie repose sur le rééquilibrage du territoire à travers quoi ? À travers le développement des hauts plateaux et du sud. Au niveau des hauts plateaux et du sud, on a des potentialités extraordinaires en matière de développement agricole, touristique, minière. Maintenant, il faut y aller vers ces territoires-là. Et M. le Président de la République, à travers les grands projets structurants que sont l'exemple du minier de Wadi Al-Hadba, de Gharj Bilat, de ce grand projet de développement agricole au niveau du sud, va contribuer énormément à ce rééquilibrage.
Pourquoi le Sud? Le Sud est un espace territorial où les trois composants de développement agricole sont réunis, c'est-à-dire le sol, l'eau et l'énergie. On a de l'énergie solaire, on a de l'eau, un gisement important de l'aquifère du Sud, et on a des potentiels en sol qui n'attendent qu'à être mis en valeur. Maintenant, reste le détail du choix du site, il sera défini dans le cadre des études plus précises, dans des études pédologiques, des études hydrologiques, des études de climat, de sol, donc ce qui se fera, bien sûr, avant le lancement de ce projet ou d'autres projets de ce type. Alors, vous, en tant que ministère de l'Intérieur, est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer, un mot à dire, lorsqu'il s'agit d'implanter un projet aussi intégré sur les impacts, des impacts sociaux? Alors, vous avez dit qu'il y a encore des études à faire sur le plan environnemental, sur le plan hydrique, sur le plan de la composition de la géologie, de la salinité. Ça, c'est des études d'impact ou les études techniques qui doivent être faites. Mais sur le plan de comment les populations avoisinantes ou les intervenants ruraux dans l'agriculture, comment est-ce qu'on va les sensibiliser? Est-ce qu'il y a des impacts sociaux pour ces projets? Écoutez, j'ai parlé comment, Comment travaillent les élus locaux aussi pour sensibiliser J'ai parlé de la stratégie globale d'aménagement territoire. Je dirais que cette stratégie a été élaborée en collaboration avec l'ensemble des secteurs et l'ensemble des collectivités locales concernées. Et cette stratégie se décline au niveau territorial par un certain nombre d'études. Ce qu'on appelle les schémas des espaces de programmation, c'est-à-dire un ensemble de wilayas qui forment une région. Mm-hmm. Donc on a trois au nord, trois sur le haut plateau et trois au sud, trois grandes régions, trois au nord, trois sur le haut plateau et trois au sud. Et également les plans d'aménagement du territoire de chacune des wilayas. Chaque wilaya a son plan d'aménagement du territoire. Et également, il y a 21 schémas directeurs sectoriels qui déclinent cette stratégie au niveau sectoriel. Le schéma de développement agricole a été élaboré avec nos collègues de l'agriculture et qui décline sur le plan du territoire quels sont les grands projets structurants en matière d'agriculture. Au niveau local, oui. Monsieur le Wali et le représentant de l'État au niveau local se base sur son exécutif, c'est-à-dire des secteurs, des structures techniques qui représentent les directions d'agriculture, la direction d'hydraulique. Ma question, monsieur, pardonnez-moi, c'est de dire, je vais dire ça les choses très simplement. Très souvent, quand il y a de grandes industries, de gros investissements intégrés, les petits exploitants, des oasis, peuvent aussi s'opposer et dire que l'on a des impacts néfastes sur les petites oasis que nous avons, sur les cultures, etc. Prend en compte? Je vais vous l'expliquer. Avant de mettre en place un grand projet structurant ou n'importe quel projet, il y a ce qu'on appelle des études d'impact. Les études d'impact qui sont faites par nos amis de l'environnement. On a deux types d'études, l'étude d'impact et l'étude de danger. Une étude d'impact, avant qu'un projet soit mis en place, mm-hmm. il faudrait que l'investisseur doive faire cette étude. Quels sont les impacts environnementaux ou autres que vous venez de citer qui sont vraiment à craindre pour un projet précis, mais que l'on peut cibler? Tout dépend du type du projet. Tout dépend du type de projet. Au-delà, quel que soit le projet industriel. Consommateur d'eau, d'énergie. Beaucoup plus, c'est par rapport à la pollution. Est-ce que ce projet va polluer la nappe? Est-ce que ce projet va émettre des gaz ou des affluents nocifs? Oui. Est-ce que c'est beaucoup plus ça. Mais il sera défini par rapport à ce projet. Et quels seraient les process qui sont élaborés au niveau de ce projet afin de freiner ou de limiter ces impacts sur le territoire? Merci. Monsieur Omar Kesh, directeur général de l'API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Hier, alors on entre dans le vif du sujet, celui de la signature de l'accord cadre qui a réuni deux États, en fait, donc l'Algérie, le Qatar, autour d'un grand projet, méga projet structurant de près de 3 milliards de dollars, 3,5 milliards de dollars, qui sera implanté dans la wilaya d'Adrar sur une surface de 117 000 hectares.
Et donc, l'investissement est basé sur la règle 49-51, c'est-à-dire 51 alors, vous allez nous dire, M. Erkesh est là pour le dire. Pour commencer, M. Omar Erkesh, le coût du projet, comment est-ce que vous considérez ce projet? Est-ce qu'il est traité de la même manière qu'un enregistrement d'un investisseur sur la plateforme, ou alors il a une autre dimension? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Premièrement, le projet, il est déjà qualifié de structurant. Donc, de par sa qualification en tant que structurant, donc il a quand même un traitement vraiment particulier, du moment où il a un effet d'entraînement sur l'ensemble de la région. Vous avez bien dit que le montant de l'investissement, c'est un montant important, 3,5 milliards de dollars. Comment est réparti l'investissement entre la partie algérienne et Qatari? Le ministre il a déclaré hier, c'est juste pour revenir sur, il n'est pas régi par la règle 49-51. Oui, tout le monde a mal compris d'ailleurs cette information. C'est un partage de parts dans le capital entre les deux partenaires. C'est le côté algérien représenté par le FNI, le Fonds National d'Investissement. Et la partie qatari par la société Beledna. Donc c'est un partage de part sociale. De part sociale dans le capital. Que représentent les 51% et que représentent les 49%? C'est les qataris avec 51 et le groupe, le FNI avec 49. Donc c'est un partage suite à un accord entre les deux parties. C'est un partage équitable des financements ou est-ce qu'on a recours au financement national, c'est-à-dire les banques? Oui, il y a un recours au financement. Il y a un recours au financement bancaire. Oui, il y a un capital qatari et étranger, donc capital. Oui, bien sûr. Parce que pour pouvoir bénéficier de l'éligibilité au transfert des dividendes, le partenaire doit quand même avoir plus de 25% au montant d'investissement. Donc, ce qui a été convenu dans les discussions avec la partie, les deux parties. Quel est le rôle de l'API aujourd'hui pour faciliter l'installation de ce méga-projet dans la wilaya d'Adrar? Est-ce qu'il est concerné par les avantages fiscaux? Bien sûr, elle est directement concernée par, il s'agit d'un projet d'investissement. Donc, un projet structurant qui a le droit de bénéficier d'un ensemble d'avantages qui sont vraiment importants, donc qui s'étalent sur deux périodes. La première période de réalisation, donc 5 ans plus une possibilité de prolongation d'une fois, et une fois exceptionnelle. Ça peut aller jusqu'à 7 ans d'exonération, donc durant la période de réalisation de projet. Et nous avons les avantages d'exploitation pendant une période de 10 ans de parc et du fait qu'elle est structurant. Est-ce qu'on considère que ce projet, par son montant, est le plus important enregistré par l'API, s'il est enregistré par l'API? Mais il n'est pas encore enregistré. Donc, voilà, j'ai bien dit oui, si. Oui, non, il va être enregistré dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est le plus important par son coût? Oui, effectivement, pour l'instant, c'est le plus important. Nous avons d'autres projets qui sont en négociation avec d'autres partenaires, mais ce n'est pas dans l'agriculture, dans l'industrie. Mais pour l'instant, c'est le plus important projet en termes de montant, oui, mais aussi en termes de son importance stratégique. Projet stratégique, parce qu'il vise la sécurité alimentaire du pays. Donc, c'est un projet hautement stratégique pour le pays. Et aussi dans son environnement, effet d'entraînement sur la région. On parle de plus de 500 postes, de 5000 postes d'emploi. J'allais vous corriger, heureusement vous êtes... Oui, 5000 postes d'emploi direct, sans parler de l'emploi indirect.
et aussi sur la reconfiguration oui. même de la région. Quelles sont les étapes avant justement son enregistrement et son acceptation par l'API? Vous avez accepté ce projet ou oui, pas? Oui, on a fait, l'API fait partie du groupe. Quelles sont les étapes aujourd'hui avant le lancement de ce projet? Donc avec le lancement de projet, maintenant les deux partenaires sont appelés à créer de la société de droit algérien. Donc ils ont déjà commencé. Qui va s'appeler comment? Comment? Qui va s'appeler comment cette société? C'est Beledna, je pense que c'est Beledna Algérie. D'accord. Donc c'est. Ensuite? Ensuite, ils viennent chez nous pour enregistrer le projet. Ils auront la décision d'enregistrement de l'investissement. Et ils auront aussi la liste des biens et services à importer pour le besoin de projet, pour commencer la consommation des avantages fiscaux et parafiscaux. D'accord. Donc, encore un petit détail, monsieur Rekache. Il y a, avant l'enregistrement d'un tel projet, on présente tout un dossier détaillé. Qu'est-ce qu'on va importer, à quel coût Oui, ça a été déjà fait lors de la préparation de l'accord cadre entre le ministère et la société. Ça fait plus d'une année qu'on discute sur ce projet. On sait très bien la structure de projet, le business plan, toute l'étude technico-économique de projet a été déjà présentée lors des différentes étapes. Et la qualification du projet, ils ont déjà négocié, discuté avec eux, avec nous, ce qu'ils ouvrent droit comme avantage oui. Accordé par la loi sur l'investissement. Donc tous ces détails-là ont été négociés. Pourquoi? Parce que les avantages qu'accorde l'État dans le cadre de la loi sur l'investissement entre directement dans le calcul de coût, donc le coût du projet. Donc le coût du projet, même le taux de rendement interne de ce projet a été calculé en tenant compte des avantages fiscaux accordés par l'État. Une avant-dernière question, on va sûrement vous libérer. La première, c'est de dire, parmi peut-être les critères et les exigences, je dirais... inscrite dans l'API pour permettre l'intégration locale, c'est-à-dire qu'il s'agisse de matières premières ou qu'il s'agisse d'équipements ou qu'il s'agisse de sous-traitants. Est-ce qu'il y a des exigences ou des limitations aux importations que nécessiterait ce projet? Non, pour ça, on n'exige pas. La seule exigence, c'est la qualification du projet parce que nous avons trois régimes d'incitation. Donc le régime des zones et le régime des secteurs et le régime des projets structurants. Donc pour le projet, il est dans les trois. Donc le secteur de l'agriculture, donc il est prioritaire de par les objectifs fixés par la loi sur l'investissement. C'est un projet créateur de richesses et d'emplois pérennes. Donc ça, c'est la qualification. Donc il est dans le régime des zones parce qu'il s'agit d'un investissement qui va se réaliser dans le sud du pays. Donc c'est le critère. Et aussi le projet structurant parce qu'il crée plus de 500 emplois pour qu'il soit qualifié. Pour qu'il soit qualifié projet structurant. Ah oui, dépasse de loin. Deux critères. Donc il n'y a pas d'exigence, de limitation en matière d'importation. Exactement. Donc ça, il fait partie des négociations entre les deux parties parce que le ministère de l'Agriculture il a bien négocié le projet avec le partenaire. Il s'agit, comme il a déclaré le ministre de l'Agriculture hier, il s'agit de projets qui visent à satisfaire le marché local. Donc, il arrive même, selon les paramètres du projet, il arrive
Et il va réaliser 50% du besoin du marché local. Monsieur Lekesh, une dernière, j'avais dit que c'était l'avant-dernière et on vous libère. Alors on recense aujourd'hui quels sont de manière par ordre d'importance les plus grands projets agricoles dans la région saharienne, chez vous, au niveau de l'API. Au niveau de l'API, ça c'est le plus important projet. Mais il y en a d'autres. Oui. Lesquels? Nous avons un autre projet qui est en train de se réaliser, BF, Best Food, c'est un groupe italien. Mais il a un projet en cours de réalisation, mais il a aussi l'intention de faire un projet. On est en train de négocier avec lui. Aussi, c'est un projet très structurant. Pour qui va, produire quoi? Pour les céréales, pour le blé. D'accord. Voilà, donc aussi c'est un produit très stratégique pour le pays. Dans quelle région, saharienne? On est en discussion avec eux, probablement c'est dans la wilaya de Adrar, parce qu'il y a une partie à Mnéa, mais ils s'orientent vers Adrar de par la richesse hydrique de la région, donc de la région, oui, et la disponibilité aussi des superficies. Donc, quelles sont les autres régions du sud qui connaissent un intérêt des investisseurs pour des produits agricoles? Pour l'instant, on n'a pas eu de... Il y a aussi le Mrayar, mais c'est les superficies. Maintenant, c'est les disponibilités qui orientent les grands investisseurs. Donc, pourquoi? Parce que la région d'Adrar-Timimoun, elle est très attractive de par de la disponibilité, l'abondance d'offres, oui, oui. En termes de foncier, et aussi oui, oui. La richesse hydrique aussi. Je vous sollicite juste pour dire... Justement, vous voyez, c'est la région d'Adrar qui attire par son attractivité. Moi, je vais poser une question à votre place, à monsieur Majid de l'intérieur. L'attractivité des territoires, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, là, on a vu, il n'y a pas énormément d'intérêt pour les autres régions du sud. Quel est le rôle des collectivités locales de faire de ces régions attractives? Oui. Qu'elles deviennent attractives. Voilà, il dit, M. Lekesh le dit, Adrar, mais oui. D'autres régions oui, ne sont oui. pas concernées par... Écoutez, pour qu'une région soit attractive déjà, il faudrait certaines infrastructures, en premier lieu les infrastructures de base, les routes, le rail, et tout dépendra maintenant de l'investissement qu'on veut faire. Pour l'investissement agricole, il faudrait qu'il y ait présence du sol important et de la ressource en eau. Pour des autres investissements éventuellement miniers, il faudrait qu'il y ait des gisements. Pour des investissements touristiques, il faudrait qu'il y ait des sites touristiques et une disponibilité des sites naturels ou des sites archéologiques. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que la wilaya d'Adrar qui est attractive non, sur le que, plan agricole. Non, pas que. Vous avez la wilaya de... Je cite l'exemple, madame est présente. Aménagement du territoire. La wilaya de d'El Oued qui a des potentialités agricoles très importantes. On est actuellement l'une des premières productions en matière de pommes de terre. On a la wilaya de Biskra, on a d'autres wilayettes, mais il faudrait que maintenant, dans le cadre de ce qu'on appelle du marketing territorial, et la nouvelle loi sur la wilaya et la commune offre des possibilités au Wadi d'être le manager de sa wilaya et de faire du marketing auprès des investisseurs et de faire connaître les potentialités de sa wilaya afin d'attirer ses investisseurs et de leur offrir un petit peu ce qu'il a de potentiel. Mais l'attractivité, vous parlez de transport, vous parlez de, oui, d'autres... C'est lié. C'est qui a le rôle de rendre ces territoires attractifs? C'est l'État. L'État, c'est aussi l'état. Vous. C'est les démembrements de l'État. Non, je parle de l'État. Je parle de l'État. C'est qui? L'État, c'est ensemble. Il y a une stratégie en matière d'aménagement territoire. Maintenant, le ministère du Travail public fait des routes et du rail. Le ministère de l'Industrie également. C'est toute cette cohérence. Mais le premier maillon, le cœur, c'est la collectivité locale, c'est les daïras, c'est les wilayas. Oui, mais les grands projets structurants, c'est les secteurs.
C'est les grandes routes, la route nationale ou le doublement d'une route nationale ou l'autoroute, ce n'est pas le Wali, c'est le secteur du travail public. Les grandes universités ou les centres de recherche, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Le Wali, il a des prérogatives au niveau de sa wilaya, il met en place son exécutif pour suivre ce projet au niveau local. Monsieur Rekash, une dernière question. C'est à troisième fois que je vous dis que c'était la dernière. Quels sont les besoins pour vous en tant qu'agence de promotion, d'accompagnement des investisseurs qui vous permettent de répondre dans les délais, de traiter les demandes? Quels sont les besoins des autorités locales qui vous permettent d'être percutants? Quelle est la préparation? Quelles sont les réponses que vous donnez, que vous attendez de tous les services, les départements de l'administration, du service public, des territoires dont vous avez besoin? Madame, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la loi fixant les conditions d'octroi du foncier économique destiné à l'investissement. On est maintenant face à une réalité de terrain, c'est que les plans d'aménagement de territoire ne sont pas mis à jour. Donc ça, c'est un problème parce que maintenant, on ne sait pas exactement quels sont les projets dont on a besoin dans une région. Donc on est en train de faire un référentiel des segments d'activité revêtant un caractère prioritaire pour l'économie nationale de manière générale et pour chaque wilaya. Nous avons des permis de lotir qui sont parfois dépassés parce qu'ils ont été élaborés dans une époque où maintenant soit les activités qui sont largement dépassées ou aussi le plan d'aménagement qui est dépassé. Donc il se trouve lors du premier affichage qu'il y a beaucoup de terrains qui n'ont pas été demandés. Donc nous avons enregistré plus de 66 lots assiettes qui n'ont pas été demandé par les opérateurs, chose qui n'est pas normale. Donc pourquoi? Parce que les activités déjà affectées à ces assiettes ne répondent pas aux attentes des opérateurs, aux besoins des opérateurs, ni aux besoins de l'économie nationale. C'est pour ça qu'on a inversé maintenant la donne, on a demandé à nos collègues au niveau des wilayas, les wali, on a commencé déjà à revoir certains permis de lotir pour au moins paramétrer l'affichage en fonction des activités dont l'économie nationale a besoin, particulièrement les activités de production des intrants, des produits de substitution à l'importation. Donc on a fait un appel à manifestation pour au profit des opérateurs économiques pour s'exprimer sur leurs intentions d'investissement et en discutant avec les wallis pour pouvoir revoir les permis de lotir pour tenir compte des demandes et de l'alliance des opérateurs économiques. Voilà, c'est le premier constat de la première opération de distribution du foncier. Donc, au moins, parce que nous avons déjà des projets très, très structurants qui demandent des superficies dont on n'a pas dans certains wilayas. Donc, même les questions d'aménagement, donc on est en train d'accélérer le processus d'aménagement parce que c'est aussi un obstacle à la relance de l'investissement. Alors, vous avez une très, très, très lourde responsabilité, en tant qu'agence, vous êtes l'interface de l'investisseur pour répondre sur la demande de foncier, pour l'accès à l'énergie, l'électricité ou le gaz ou l'eau ou le téléphone ou le débit Internet ou bien les routes. Écoutez, moi, je vous souhaite énormément de courage, monsieur, et vous le méritez parce que vous parlez en toute bonne foi et en toute honnêteté. Merci beaucoup, monsieur Omar Rekash. J'espère que monsieur représentant du ministère des collectivités locales retiendra, je veux dire, toute votre remarque. Monsieur Omar Rekash, on vous libère. Merci, merci beaucoup. Je me tourne vers madame
Madame Souad. Oui, Assaous, Madame Souad Assaous, directrice générale de l'investissement et du foncier agricole. La question, et là on va parler du projet Beledna. Est-ce qu'il y a une exigence de taux d'intégration? C'est un projet intégré, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ramène une technologie, on ramène des équipements, on ramène des savoir-faire, on importe des génisses. On importe des fourrages, donc l'alimentation de bétail. Quel est le taux d'intégration? C'est-à-dire, est-ce qu'on intègre quelque chose du savoir-faire national? Est-ce que les laboratoires de recherche et tous les instituts que nous avons qui travaillent depuis l'indépendance sur des projets de recherche qui ont prouvé toutes les capacités nationales par la disponibilité du sol agricole de produire de la luzerne, du maïs et d'autres aliments, mais malheureusement, ces aliments sont toujours importés. Est-ce que le projet qui va être installé de Beledna va continuer à importer ou pas? Merci. Merci, madame. Permettez-moi juste, je vais revenir par rapport au foncier, la question du foncier, la disponibilité. Il faut faire la différence entre le foncier industriel et le foncier agricole. Absolument. Ce qui était en train de parler tout à l'heure, monsieur le directeur général de l'API, il parlait de la mise en place ou la mise à la disposition des investisseurs du foncier industriel. Là, nous avons, nous, ministère de l'Agriculture, notre réglementation en matière d'attribution des terres agricoles et le projet Beledna s'inscrit dans cette stratégie. L'API se réfère à vous pour pouvoir mettre en... Oui, bien sûr. Projet Beledna s'inscrit dans cette stratégie, c'est la mise en valeur des terres agricoles au niveau du sud algérien. Maintenant, par rapport au projet, donc le projet, l'objectif du projet, c'est la mise en place des pôles agricoles. Donc nous comptons mettre en place 3 pôles agricoles. Ce sera la wilaya d'Adrar. C'est possible d'avoir d'autres wilayas par la suite. Ces pôles, pourquoi on dit intégrer? Parce qu'on commence par la production. Donc, dans chaque pôle, nous avons la production des fourrages. Nous avons les... Ils vont produire l'aliment. Sur place, bien sûr. Mais à partir de quoi on produit le fourrage? À partir de nos terres ou à partir de l'importation? Parce qu'il faut quand même importer une matière pour pouvoir... Mais bien sûr. Comment ça se passe? Non, nous allons commencer par la production, on fait. C'est la production des fourrages au niveau des terres agricoles. Déjà, premièrement, par rapport, si on commence par le projet dès le début, nous allons passer à la mise en valeur des terres. Donc, première action de cet investisseur, c'est qu'il doit mettre en valeur. Bien sûr. Ça prendra combien de temps? C'est le temps de faire les actions nécessaires pour la mise en valeur. Une année. C'est ça, c'est ce qu'on va mettre en place. Là, parce que si vous permettez, madame, par rapport au projet... On commence par l'alimentation. C'est ça. Bah, je parlais de la production, je parlais du pôle. Nous avons la production des fourrages comme objectif. L'élevage bovin, donc comme un deuxième objectif, dans le même pôle. Oui. Après, nous allons avoir dans chaque pôle usine industrielle pour la transformation de la poudre d'huile. D'accord. Donc l'alimentation de bétail en premier. Bien sûr. Il y a une importation qui doit être faite. Mais pas à 100%. Ça, quand on parle de la première étape, nous comptons... Est-ce qu'ils ont des procédés nouveaux que ceux que nous connaissons en matière de production de fourrage en Algérie, sur la base de nos matières premières, les engrais que nous avons produits Par rapport au projet, ce qu'ils nous ont présenté dans le business plan, par rapport aux études qui ont été, parce que le projet, nous avons signé hier, mais on a travaillé avec la partie qatarie, ça fait plus d'une année et demie sur le projet. Par rapport sur le projet et par rapport aux assiettes foncières, là, on va implanter le projet. Jusqu'à maintenant, donc, il y a un business plan qui a été présenté. Nous l'avons négocié avec la partie qatarie sur la production, sur les produits qui vont... Quelles sont les exigences de l'Algérie aujourd'hui dans ce projet? Qu'est-ce que vous protégez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous exigez? C'est la quantité produite, mais est-ce qu'il y a des qualifications nationales? Est-ce qu'ils doivent travailler avec les matières premières nationales? Bah bien sûr. Dites-nous, grosso modo... L'objectif du projet à long terme, l'exigence... Est-ce que c'est du clé en main?
C'est-à-dire clé en main. C'est-à-dire une ferme clé en main. Ah mais bien sûr, bien sûr. L'exigence, la première exigence de la partie nationale, donc l'Algérie au ministère de l'Agriculture, par rapport aux quantités qu'ils vont les produire en matière du lait, la poudre du lait. L'objectif par rapport à ce projet, c'est 194 000 tonnes annuellement de production de la poudre du lait. 194 000 tonnes, c'est 50% ce que nous avons... De la facture d'importation. C'est ça. Ce que nous importons maintenant, c'est 50%. Ça, c'est le premier objectif. Après, nous avons d'autres objectifs qui vont être en parallèle. Mmh. Donc là, quand on parle de la production des fourrages, on parle de la rotation. La rotation, une année, on fait de la production des fourrages, la deuxième, on fait des blés. Donc ça, c'est une exigence du ministère de l'Agriculture. Là, pour mettre, on ne va pas rester uniquement sur les fourrages pendant... Non, on exige qu'il y aura la production des blés. En même temps, même par rapport à la production de la viande rouge, pour la mettre à la disposition de nos citoyens, ça, c'est un deuxième objectif. Par rapport. Et en plus, là, on a négocié par rapport aux technologies qui vont les ramener, à l'innovation, mm-hmm. au transfert des compétences. Ça, c'est là, si vous permettez, madame. Là, je vais le dire peut-être en deux mots. Projet Belenna, en matière de le montant du projet, sa consistance 117 000 hectares, c'est un projet qui va ouvrir d'autres portes aux investisseurs. À l'investissement. Ça, c'est un projet très important à travers... Là, peut-être je vais dire un mot par rapport à la partie algérienne. À nous, maintenant, de faciliter la mise en place du projet. Parce que, madame, excusez-moi, là, on a signé hier, mais le vrai travail commence à partir d'aujourd'hui. Si vous permettez, rapport à la première question à M. Saada, on parlait d'après comment on va mettre en place ce projet. Là, dans la convention que nous avons signée hier, il y a un comité mixte qui va être installé la semaine prochaine, que nous allons avoir les deux parties au niveau de ce comité, et il n'y aura pas uniquement le ministère de l'Agriculture en face. Il y aura tous les ministères qui sont parties prenantes pour la facilitation, pour la mise en place de ce projet. En premier lieu, nous allons avoir nos collègues du ministère des Finances, les domaines, la Direction générale des douanes, ministère de l'énergie par rapport à tout ce qui est, et notre collègue de la Direction générale de Sonalgaz par rapport à l'amener d'énergie, nos collègues du ministère des Travaux publics par rapport à l'ouverture des pistes et tout, là, par rapport... Parce que là, on est à Alger, on voit bien... De loin, on voit le projet, il est facile au niveau de la wilaya d'Adra. C'est tout à fait le contraire. C'est un projet de 117 000 hectares et il y a des moyens qu'on doit les mettre à... Les impacts socio-environnementaux seront étudiés. Bien sûr, c'est tout ça. Et après, comme il a expliqué tout à l'heure Monsieur Lekesh, en premier lieu, nous allons passer à la création de cette société. La création, donc c'est l'inscription au registre de commerce. Donc il y a une création à la société Belenna avec le FNI. Et après, par la suite, nous allons mettre, on est en train d'examiner les assiettes foncières, nous allons mettre à la disposition de la partie Qatari et de la nouvelle société mixte 117 000 hectares, qu'on est dans l'obligation de procéder à tout ce qui est administratif, donc tout ce qui est acte, etc. Mm-hmm. Là, par la suite, on passe à la production. Ça, c'est très important comme investissement au début. Les premières années, quelles sont les premières... Alors, on attend au bout de deux années, quelle production? Au bout de trois ans, quelle production? À quel moment on va atteindre 20, 30%, 50% de... Moi, j'ai parlé de 194 000 tonnes de poudre de lait. En la troisième année, il y a dans cette convention, ça c'est les obligations de la partie algérienne, c'est 33 000 comme objectif, 33 000 tonnes de la production annuellement. Donc on arrive à la bout de la troisième année, 33 000 tonnes. Ensuite. Au bout de la sixième année, c'est 90 000 tonnes. Et au bout, à partir de la neuvième année, on rentre sur les 194 000 tonnes que nous allons les produire annuellement, Inch'Allah. Une question. C'est 50, il est 13h50, il nous reste quelques petites minutes avant la fin de cette émission. Ma question est aussi pour Madame Souad. Il y a une technologie, il y a des équipements, il y a un savoir-faire. Est-ce que tout ce
que ramène notre partenaire qatari en termes de savoir-faire, comment produire le fourrage, comment produire les aliments de bétail, comment faire de l'insémination de génisses, comment en faire du lait. Est-ce que toutes ces connaissances en Algérie, nous ne les avons pas? Non, non. C'est pas, non, il ne faut pas qu'on pose la question et ils vont nous montrer comment on va faire l'insémination. Non, non. Ça, l'objectif à long terme, c'est de produire la poudre du lait. Ça, c'est la finalité de ce projet. Réellement, en ce moment, en Algérie... Nous savons tout ça, nous. Nous savons faire la poudre du lait. Non, non. L'objectif, c'est la poudre du lait. Donc, l'objectif, c'est la mise en place d'une usine qui va faire la transformation, ce qui nous manque, nous. Mais par rapport au fourrage, par rapport à l'insémination, bien sûr que nous avons ces compétences. Nous avons ces compétences. Bien sûr que nous avons ces compétences. Mais alors pourquoi nous dépendons encore en alimentation? Mais la problématique, si nous savons faire? Non, quand on parle des fourrages, on parle de la production des blés, on parle oui, de la culture. Bien sûr qu'on connaît mais très pourquoi bien. On produit mais on parle pas de la transformation par rapport à la poudre du lait. Ce que nous sommes en train d'importer maintenant, c'est ça l'objectif à long terme par rapport à ce projet. Là, c'est... Oui, oui, allez-y. Oui. C'est là, c'est ça l'objectif à ce projet. Donc, la finalité, c'est d'avoir de la poudre de lait produite sur le territoire national d'une marque algérienne. Ça, c'est important. Et nous comptons par la suite passer, Inch'Allah, pourquoi pas, à l'importation, que ce soit par rapport aux portes à l'Afrique ou à d'autres pays. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas dire que et on n'est pas... Nous n'avons pas de savoir-faire. Non, non, il ne faut pas. Non, non. On parle donc, pas de madame, manque. Nous avons un savoir-faire. Mm. Nous avons les terres, puisqu'on a détecté les terres. Nous avons le soleil. Est-ce que par exemple l'énergie solaire sera intégrée dans l'exploitation? Bien sûr. Ça fait partie des impératifs, pas faisable. Ils sont avec nous. Le ministère de l'énergie va être avec nous. Et même le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables qui vont être avec nous par rapport dans ce projet. Et ça s'inscrit dans la partie algérienne, ce que nous mettons en place par rapport à ce projet. Donc nous avons toutes les caractéristiques d'un pays qui peut produire ses besoins. On doit commencer, madame. On doit commencer parce que là, on parle d'un projet d'investissement. Mais pourquoi nous ne l'avons pas fait avant? Mais on doit commencer. Il ne faut pas qu'on pose maintenant beaucoup de questions. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant? Mais pourquoi on ne l'a pas fait avec un partenaire national? Moi, je suis désolée. Excusez-moi, madame, parce que là, il ne faut pas qu'on va... Je ne vais pas dire, utiliser le mot qu'on va perdre du temps à parler de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on n'a pas et tout. La réalité, elle est là. On est en train d'importer des blés, on est en train d'importer de la poudre du lait. Maintenant, on doit rester autour d'une table et on doit s'ouvrir à l'investissement. C'est ça l'objectif, ce qu'on est en train de travailler. Si vous permettez, madame, à partir de 2020 jusqu'à 2022, on parlait de la restructuration du ministère de l'Agriculture. On a mis en place des directions générales et surtout par rapport à l'investissement. Ce que nous ne faisons pas avant. Il n'y avait pas par rapport au ministère de l'Agriculture. On parlait du budget de l'État. On parlait des crédits bancaires par rapport à crédits Tahaddi Urfik que nos agriculteurs connaissent très bien par rapport aux crédits de campagne et crédits d'investissement. Mais on n'a jamais parlé d'un projet d'investissement grandiose qui va offrir à l'Algérie 50% de sa dépendance aux importations. C'est pour cela qu'on doit rester, on doit être positif. Où est-ce qu'elles vont être, d'où elles vont être importées? Est-ce qu'il y a des exigences en matière d'OGM? Là, ça c'est clair, bien sûr. Là, c'est le travail de l'autorité sanitaire que nous avons au niveau du ministère. Qui va également travailler sur ce... Aujourd'hui, ce matin, il y avait une réunion avec nos collègues de la réaction des services vétérinaires. Ils ont travaillé avec eux par rapport à la question... On va exporter plus tard ou non? Parce que 50% de nos besoins, bon, on n'a pas de surplus pour exporter en Afrique ou ailleurs. On doit commencer, madame. On doit être positif. C'est on doit bien commencer. De faire du long terme. Bien sûr, de long terme. Bien sûr, bien sûr. Quel impact, dernière question, hein, je pense, quel impact pour la région, pas seulement pour la wilaya d'Adrar, en matière de création d'emplois? Qui va-t-on employer dans ce gigantesque projet? Est-ce que les infrastructures routières sont disponibles? Est-ce que les centres de formation professionnels se préparent à ce projet? Est-ce que les agriculteurs de la région se rendent d'une manière directe, peuvent être bénéficiaires d'un tel projet? Quel est le développement que va induire ce projet structurant, monsieur?
Ben écoutez, Monsieur Saad. Merci. Comme tout projet structurant, il y a un impact extraordinaire sur la région et sur même notre pays, à l'instar de Wadi Hadba et de tous les projets structurants. Oui, éventuellement, il fera appel à une main-d'œuvre locale, mais s'il y a lieu Vous confirmez ce que dit M. Saad. Oui, s'il y a lieu de former encore dans des postes spécifiques, il y aurait d'ailleurs... Dans le projet, on parle de 5000 postes directs. Parfait. Si on va comptabiliser les postes indirects ou les emplois indirects, ça c'est... Oui, absolument. Il y a le chemin de fer à Drar. Non, mais absolument. Bien sûr, ça s'inscrit dans et maintenant s'il y a un besoin spécifique, il faudrait que les centres de formation, le ministère de la formation professionnelle s'adapte à ce type de formation. Il y a ce qu'on a, on a aussi, c'est un pays extraordinaire où il y a des universités dans chacune des wilayas. Donc il y aurait éventuellement spécialisation au niveau de l'université de Drar par rapport à ce projet-là. Et c'est là un petit peu le gain. Et la question problématique posée par M. Rokhach tout à l'heure était très importante, si vous pouvez dire un mot, c'est... il parlait de, j'ai oublié, comment on appelle ça, il parlait de cadastre notamment, il y a parfois c'est cadastré, parfois ça ne l'est pas, voilà, comment est-ce que cette problématique, vous allez répondre, vous avez retenu les notes. Je crois que maintenant le qu'est-ce qu'il a demandé, monsieur Rokhach? Oui, par rapport au plan d'aménagement territorial de Wilaya. S'il vous plaît. Oui, je vous informe que le schéma national d'aménagement territorial doit être révisé, actualisé. Non, il est finalisé, l'actualisation a été faite, maintenant il est en discussion au niveau du on examine au niveau du SGG, et de cela vont suivre l'actualisation de l'ensemble des instruments qui le déclinent, que ce soit au niveau territorial, les plans d'aménagement territorial de Wilaya, soit au niveau des secteurs. C'était quoi la problématique, si vous pouvez nous le rappeler? Il dit qu'il y a certaines zones qui ne sont pas cadastrées. C'est ça. Maintenant, c'est le cadastre, c'est le ministère des Finances, mais je crois que la plus... Ah, c'est vrai que c'est les domaines. Oui, c'est les domaines. Mais je crois qu'il y a... Si mes chiffres sont bons, plus de 90% du territoire qui est cadastré, donc le cadastre a avancé. S'il a posé des problématiques, c'est qu'elles existent. Je voudrais, madame, confirmer, il y a le ministère de l'Agriculture qui a engagé le recensement des terres agricoles et l'inventaire agricole. C'est en cours. Il va être lancé cette semaine. Donc, le 19 mai. Voilà. Recensement général de l'agriculture le 19 mai. Parfait, parfait. Mmh. Donc on aura un petit peu l'ensemble des terres de superficie agricoles utiles qui seront inventoriées dans son grand travail. Un mot pour rassurer. Pour rassurer, c'est ça. C'est ça, on était d'accord. Oui, c'est pour rassurer nos auditeurs. Nos agriculteurs. Là, premièrement à nos auditeurs et après pour les agriculteurs. Je vais, par rapport au conseil d'administration de cette nouvelle société mixte, il y a ce qu'on appelle, il y a la partie algérienne, la partie qatari, il y a une commission pour les recrutements, elle est présidée par la partie algérienne. Ouais. Par rapport au recrutement. Et les agriculteurs, De la région, nous avons les grands investissements, les petits, les agriculteurs. Donc, c'est tout le monde qui va contribuer. Oui, c'est tout le monde qui va contribuer à la sécurité alimentaire. Absolument. Aïcha Hammer vous dit merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, aussi.